Je te jure, si j'étais femme de marin, ce serait la même chose. Je crois qu'un de ces jours, c'est moi qui vais m'en aller pour de bon. Là, t'exagères, Jack. C'est pas la première fois que Pépé a un empêchement professionnel. De là, remettre votre vie en cause. Mais c'est toujours des empêchements professionnels. Tu te rends compte qu'on n'est jamais partis tous les deux en vacances, comme tout le monde? J'en ai marre d'être juste une escale. Tu te vois mieux dans un joli trois pièces cuisine en plein centre-ville, avec toute une tripotée de gosses, et un mari qui rentre d'hémicycle conjugal, harassé par le boulot qui l'emmerde. Tu sais, quelquefois j'y pense, je me dis que ce serait pas si mal. J'y pense surtout quand je suis toute seule, avec la voiture en fourrière, la clim qui est en panne, et lui en balade, je ne sais trop. Eh ben toi, au moins, ça te fait rire, ces choses-là. Il y a exactement 6 mois, nous nous trouvions ici. Assise à la même place. J'étais complètement camée, je vivais que pour le shoot à cette époque. Et toi, tu m'as juste dit ceci. Nani, la seule drogue qui mérite vraiment que l'on vive pour elle, c'est l'amour. Je t'aurais giflé. Vraiment? Moi, j'ai dit ça? Ouais. Et t'avais raison. T'es en manque de pépé? Alors que moi, je vais aller rejoindre mon beau marin dans une chambre confortable et climatisée. Si tu ne changes pas immédiatement de sujet, je te démolis. Para que puedan ustedes acceder a las otras salas. Posteriormente, vamos a ir a la cripta de la pasión, donde hay unos retablos de madera realmente bellísimos y aparte esta cripta está hecha de hierro forjado. Les daré un tiempo luego para ir a comer, o sea que no se preocupen, porque les veo un poquito ya con cara de hambre, pero es que el recorrido es largo, lo siento. De todas formas, disfruten de esta vista que es bellísima. Fíjense bien en los ventanales de estilo gótico. Y se estima que quizá dentro de unos años, cuando se termine, puedan poner las vidrieras. Actualmente, un equipo reconocido de artesanos están siguiendo con la reconstrucción de la maqueta de Antonio Gaudí. Hay que saber también que el escultor catalán Josep Maria Subirachs está elaborando unos dibujos de la fachada del nacimiento. Y ahora, si son tan amables, me van a acompañar. Vamos ahí enfrente donde hay una columna donde posteriormente se va a construir la tan esperada cripta, gracias a Dios, que sí, por favor, faites beaucoup de photos avec votre appareil? Oui, j'ai l'habitude. Le mien, il est tout petit, mais j'aime beaucoup les photos aussi. Oui, c'est comme moi. Peut-être qu'on pourrait en parler des photos. Oui, je... Si vous voulez, on pourrait aller boire quelque chose parce qu'il fait très très chaud. Et puis comme ça, je serai pas toute seule. Parce qu'en fait, je suis toujours toute seule dans la ville. C'est la première fois que je... C'est la première fois. Tu m'entends? Non, tu fais d'abord pocher ta dorade avec de l'eau salée. Mais attention! Faut la garder bien moelleuse, d'accord? Ensuite, tu retires la peau et les arêtes. Tu mélangeras la chair avec du persil. Et 4 cuillerées à soupe d'huile d'olive, t'as compris? Oui, je te rappelle. Je confirme, elle a bien le syndrome de Robin des Bois. J'ignore si ça va te rassurer, mais elle vient de dépouiller son 5e petit vieux pervers de Barcelone. C'est une consolation bien maigre. Et tu peux toujours te dire que tu n'es pas le seul crétin de la ville. Bon, qu'est-ce que tu décides? Je t'envoie les photos? Je laisse tomber? Je continue, d'accord. Comme tu voudras, c'est toi qui payes. Ben, à bientôt. Bon, on va goûter ça. Alors, chef? C'est complètement raté. J'ai vraiment pas envie de me ruiner avec des saloperies comme ça. De toute façon, on n'a encore rien payé, il y avait 3 mois d'essai. N'empêche que c'est raté.
veux-tu que je te dise, Biscouter? La cuisine, c'est comme l'amour. Ça ne peut pas se faire par satellite. Moralité, retour à l'envoyeur et on oublie ça. Si vous trouvez ça dégueulasse, pourquoi vous en reprenez? Parce que je crève de faim. C'est logique, non? Chef, vous êtes un ingrat et vous avez la mémoire courte. Ah, mais c'est qui, dans sa folle jeunesse, se démerdait à vous dégoter des tomates, des poivrons, même des calmars, puis qu'il est passé sous sa liquette de tolard, au nez, au la barbe des matons, au risque de sa vie, c'est qui? D'accord, Biscouteur, tu es un héros. Mais n'empêche que ta brandade allait à foutre aux chiottes et qu'on sonne à la porte depuis 3 bonnes minutes. Don Joaquin Pelletier, madame. S'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Très heureux. Monsieur Carvalho, je vous ai amené quelques documents. Les voilà. Merci. D'après ce que j'ai pu lire dans la presse, il est évident que nous n'avons pas exactement la même vision du monde, monsieur Pelletier. Ah. Vous faites référence à ma période algérienne. Bien, pour la comprendre, il faut savoir que j'ai grandi dans ce pays et que j'y ai été puissant. Jusqu'aux déplorables événements que vous connaissez. Et que je l'ai aimé, passionnément. Mon mari ne peut aimer que passionnément, monsieur Carvalho. Et grâce à cette passion, nous avons dû fuir en catastrophe le paradis. Mais sans oublier l'immense fortune que monsieur Pelletier avait ramassée sur le dos de ses frères arabes. C'est un peu sommaire. Le FLN m'a fait du tort, monsieur Carvalho, beaucoup de tort. Et d'ailleurs, je ne regrette ni mes engagements, ni mes actions d'alors. Et puis eux nous ont chassés. La France de Gaulle a refusé de nous accueillir. Ah, seule l'Espagne. Oui, l'Espagne d'alors fut pour nous une véritable terre promise. J'avoue que je ne vois pas très bien ce que je peux faire pour vous. Vous êtes considéré comme le meilleur détective sur la place de Barcelone. Alors ma femme et moi souhaiterions que vous enquêtiez sur l'assassinat de notre fils unique. Pourquoi? Vous ne vous fiez pas à la police de votre nouvelle terre promise? Vous avez déjà aimé vraiment? Certainement. Enfin, je crois. Je parlais de cet amour fou qu'on éprouve pour son enfant, ce mélange explosif de douleur, de plaisir et de sang. Mathilde, je n'ai pas d'enfant, je regrette. Nous voulons mettre toutes les chances de notre côté. Je comprends, mais la police espagnole est beaucoup mieux placée que moi pour mener cette enquête. J'avais un fils que j'aimais plus que tout au monde. C'est entendu, madame. Je propose un marché. Je vous demande d'attendre les premiers résultats que va fournir l'enquête officielle. Et nous en reparlerons ensuite. Cela vous convient? Très bien. Vous avez parlé d'un marché. Voilà. C'est ma caution. Une seconde. Qu'est-ce que tu fais? Comment je vais sortir d'ici? Attends! Attends, rends-moi mes affaires! S'il te plaît!
Je te rappelle, Biscoutet. Monsieur, c'est pour vous, je vous les donne. C'est des vêtements très chics. Cette petite est complètement barge. Elle est mignonne. Toi, tu prends la suite. Sinon, je vais me faire repérer. Vas-y, je m'occupe de ta boutique. Ce soir, on dîne ensemble tous les deux. Non, pas ce soir. J'ai rendez-vous avec Nanny. Nous partons dîner entre amis. Mais ça me plairait bien d'aller passer quelques jours avec toi. Ça fait combien de temps que tu m'as promis qu'on partirait en vacances en amoureux? T'emballe pas, Charito. On vient de me proposer un autre coup. Regarde. Le fils du banquier? Non, mais c'est pas vrai. Pourquoi? Pépé, d'après toi, comment on fait pour devenir un des hommes les plus riches et les plus puissants du pays? Pour réussir, ces gens-là ne reculent devant rien. Ne t'embarque surtout pas dans cette histoire, même pour tout l'or du monde. Qu'est-ce que je serais sans toi, Charito? Bon. Tu m'appelles? Non. Appelle-moi, oui? Oui? Quand? Bientôt. Sac. Allez, tais-toi. Tenez. Merci beaucoup, monsieur. Il est nouveau dans l'équipe, lui? Pardon? Le vieux et vous, j'avais repéré, mais lui, c'est la première fois. Je vois que vous ne manquez pas de subtilité. Vous ne trouvez pas qu'on aurait pu faire plus simple pour se parler, quand même? Certainement, oui. Mais j'ai pensé que ce serait plus amusant de vous faire jouer les victimes innocentes, mademoiselle. Et alors, on fait quoi maintenant? Je vous donne mon emploi du temps ou vous continuez à me coller au cul comme vous le faites depuis une semaine? Vous êtes gourmande. Ah, oh, si, c'est très bon. Que penseriez-vous d'une soupe aux huîtres chaudes et d'un filet de bœuf au foie gras? Chez moi, ce soir à 9h pour dîner. C'est d'accord? Au revoir. Celle-là, elle n'est pas bête. Et en plus, elle a oublié d'être moche. On s'en prend un petit? Ah oui. C'est la faute de ce gamin, là. J'avais bien dit, moi, qu'il allait nous faire repérer ce petit fouillon à roulette. Ne fais plus de soucis pour ça, Bremur. L'important, c'est que la petite vienne dîner à la maison, non? Oui, mais alors on va arrêter la filature? Et j'avais besoin de ce boulot pour pouvoir bouffer. Pourquoi? Ça va si mal que ça? Et je me suis fait gauler par un flic ripo, Pépignon. Et il t'a laissé filer? Tu rêves. Je lui refile pas 50 000 pesetas avant samedi prochain. Il me faut un taule pour contrebande sur la voie publique. Et ça, c'est pas un scandale? J'ai l'air d'un mendiant ou quoi? Je t'ai demandé une seule fois le monde dans toute ma putain de vie, non? Mais par contre, si tu pouvais me filer un nouveau boulot. J'allais le faire, mon mur. Tiens, voilà. L'affaire Pelletier. Pelletier?
Tu vas tout de même pas me dire que tu vas aller fourrer ton nez là-dedans. Je sais pas, Bromure, mais si j'y mets le nez, je compte sur tes grandes oreilles. C'est pour toi. Garde-moi une boîte de cohibas. C'est vraiment trop con que tu crois pas en Dieu, Pépé. Sinon, tu irais tout droit au paradis. Oui, j'y vais, là, j'y vais. Allez, tire-toi. Je pensais que ça irait bien avec le filet de bœuf. Magnifique. S'il vous plaît. Un apéritif? Oui. Je peux vous aider? Non. Installez-vous, je vous en prie. J'en ai pour une minute. Résumons un peu. Vous fumez le cigare, mademoiselle Kellerman? Pourquoi pas? Mon vieil ami Antonio m'engage pour suivre et prendre en photo une pseudo-délinquante qui dépouille des petits vieux très riches. Mais en réalité, les petits vieux sont des artistes en retraite que vous-même avez engagés. Alors, permettez-moi de vous poser une question, mais elle est capitale. Pourquoi? Aujourd'hui. Et alors j'ai eu cette idée de me faire suivre et de me faire prendre en photo dans la ville en me faisant passer pour une arnaqueuse. Et que vient faire Antonio dans tout ça?
Antonio? Antonio, c'est un grand avocat. Et alors, comme tous les avocats, il connaît les détectives. Je lui ai simplement demandé le nom du meilleur. Pour que le travail soit plus fort, tu devrais être flatté, Pépé. Et comment s'appellera cette performance, mademoiselle Kellerman? Une gérontophile à Barcelone? Ou alors privée d'amour? Privée d'amour, hein? J'aime bien. Ou alors amour privé. Je peux te le voler? Oui, au point où on en est. T'es vexé, Pépé Carreño. À vrai dire, j'hésite entre me couper les veines ou respirer une bonbonne de gaz. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Là, tout de suite? Une performance. De quel genre? Du genre humain, chère mademoiselle Kellerman. Pardon. Oui? Combien? Combien? J'arrive tout de suite, Charlot. Commissaire Contreras. Vous y allez un peu fort sur la caution, commissaire. Vous savez très bien que Charlot n'a rien à voir avec ça. Cette nuit, je te rappelle qu'un crime a été commis au tatouage. Et Charlot non seulement a refusé de coopérer, bien qu'elle connaissait la victime, mais en plus s'est permis de m'insulter gravement. Elle a osé faire ça? Vous faites un métier extrêmement risqué, commissaire. Ne te fous pas de ma gueule, Carvalho, parce que moi, je pourrais bien te demander d'où tu sors tout ce pognon en pleine nuit. Très bien. C'est la caution d'un contrat que je ne souhaitais pas accepter. Quel contrat? L'affaire Pelletier. La merde, ça attire les mouches. Alors écoute-moi bien, renifleur de braguette. T'as pas intérêt à te coller sur ce coup. Ou bien je me verrai obligé de te foutre en tôle pour entrave à l'action de la justice. Et Charo se verrait obligé de retourner dans la rue pour pouvoir payer ta caution. Pour le moment, elle vient avec moi. On a pas mal de nuits d'amour en retard. T'as toute la vie devant toi. Le tatouage est fermé pour complément d'enquête. On dirait que vous avez quelque chose contre moi, commissaire. Oui, un ulcère. Contreras qui a raison. Comment ça? Nani n'est pas revenue mourir au tatouage par hasard. Qu'est-ce que tu veux dire? Le dernier mot qu'elle a prononcé était Tony. C'était un message qu'elle te destinait à travers moi. Elle voulait m'indiquer l'assassin? Non, Tony, c'était son mec. Elle l'aimait. Elle avait l'intention de s'en aller avec lui dans un mois. Il l'avait sorti du tapin, ce type-là. Il y a combien de temps? Ça doit faire un an. Je l'ai connue il y a 5 ans. Elle venait d'Argentine avec son frère. C'est ce connard qui l'a obligée à faire la pute. Tu sais pas comment il s'appelle? Chicho. Il est venu plusieurs fois chez moi pour la relancer quand elle voulait plus aller au boulot. Écoute-moi, Charo. J'ai pas oublié les vacances. J'ai dû accepter l'argent de Pelletier pour payer la caution. Pépé, moi, j'en ai rien à faire de ces vacances. Je t'ai jamais rien demandé sur le plan professionnel.
Je l'aimais bien, Nanny. Il faut que tu m'aides. Tu dois absolument retrouver cette bande d'enfoirés qui l'ont assassiné. D'accord. Bois ça. Toi. Les affaires s'arrangent, Bromure. Oui, grâce à toi, Pépignot. Et à Dieu, enfin, je suppose. Et Dieu, qu'est-ce qu'il t'a appris sur l'affaire Pelletier, mécréant ? Pratiquement que dalle. La mort subite des multimillionnaires, c'est comme les scandales dans la politique. Dans notre petit monde, ça provoque l'hilarité générale. Tu vois, ça ressemblerait plus à une vengeance, cette histoire-là, ou à un crime passionnel. Oui, c'est possible. Je dois t'apprendre une mauvaise nouvelle, Bromure. Hier soir, on a tué Nanny. Pourquoi c'est les meilleurs qui s'en vont toujours en premier, Pépé? Il avait le plus beau cul de tout le barrio de Chine. Et puis, elle avait un cœur gros comme ça. Tu connais son frère ? Ticcio ? Macro, importé d'Argentine. Sa spécialité, c'est de piquer les protégés de tout le monde. Je me demande bien comment il peut être encore vivant, le salopin. J'ai besoin d'en savoir davantage. Autre chose, Bromure. Nanny n'a prononcé qu'un seul mot avant de mourir. Tony, tu as une idée de qui il s'agit ? Si tu passais un petit peu plus de temps dans les rues, tu saurais comme moi que tous les coiffeurs pour dames s'appellent Tony. Je ne pas te lever si tard, Ticcio. Ça fait grossir. Tu te demandes pas où est ta sœur? Il est déjà presque 10 heures. Qu'est-ce que tu lui as fait, Archimedes? Ouais. C'était une vraie sentimentale, mais trop bavarde. Je ne pouvais pas prendre le risque. Un flic consciencieux remonte jusqu'à moi à cause de ta trahison. Judas. J'ai pas tué Tony, je te jure. Ticcio. Tony et toi, vous avez transgressé la loi. $500,000, c'est beaucoup. Archimedes, toi, tu me connais. Crois-moi. J'étais pas au courant. C'est lui qui a tout manigancé, je te le jure. Tu jures, Ticcio? Mais tu penses bien que cet argent m'appartient pas? On va me demander des comptes là-haut. Alors, bon, je veux bien t'absoudre pour le meurtre de Tony. Mais tu me rends l'argent? Non, attends, Archimedes. Quand j'ai appris que Tony venait de vider mon compte, j'ai tout de suite foncé chez lui. Mais il était déjà mort, je te le jure. Il n'y avait pas un seul dollar dans l'appartement. Je te laisse, Miguel Garrido.
Laisse. C'est pas la peine. Il te reste au moins 6 mois de crédit. T'as qu'à le fumer à la mémoire de Nanny. On dit que la fumée d'un cigare de Havane, ça monte tout droit au paradis. Ça va être belle l'Europe de nos enfants. Un tiers de nantis suralimentés, un tiers de prolétaires surendettés et un tiers de SDF qui rêvent de devenir chômeurs. C'est curieux que tu parles de l'Europe de nos enfants. Go te voir. Tu aurais aimé avoir un fils, Biscooter ? Ah oui, ça vaut beaucoup. D'ailleurs, chef, il se peut que j'ai un fils. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? C'est la vérité, chef. J'ai une amoureuse dans le temps. Elle s'appelait Victoria. On était travaillés ensemble dans un hôtel en Andorre. Mm-hmm. Victoria. Elle voulait se marier et tout. Moi, j'aimais bien Bébé. Puis un jour, elle m'a annoncé qu'elle était enceinte. T'as pu la mettre enceinte, toi, parce que tu peux avoir des gosses. C'est pas drôle, chef. J'ai peur de me sentir coincé, vous comprenez? Alors j'ai volé, tu sais, ces petites voitures, un biscooter, pour aller voir les putes à Seo de Olcher. Évidemment, il y a les flics qui m'ont chopé en état d'ivresse. C'est comme ça que j'ai perdu Victoria. Je vous ai rencontré à la prison de Lerida. Et j'ai gagné mon surnom, Biscooter. Eh oui, je sais. Un beau jour, un grand gaillard s'amènera. Il frappera à la porte et il se précipitera dans tes bras en criant « Papa ». Si c'est un grand gaillard, ça sera sûrement pas lui parce que... Victoria, t'es petite comme ça. C'est peut-être mieux, Biscooter. Tu sais, un fils, ça donne beaucoup de soucis. Il y a des fois, je regrette. Tiens, à la tienne. À Victoria. Quoi? La señora Pelletier qui a téléphoné. Ils me font de la peine, les Pelletiers. Ouais. Elle si distinguée et lui si coincé. J'avais pourtant été très clair avec toi, Carvalho. Monsieur Carvalho est mon autre commissaire. Et dans la mesure où vous n'avez rien de nouveau à m'apprendre sur la mort de mon fils, je dirais qu'il est le bienvenu. Comme vous voudrez, madame. Mais je préfère quand même vous prévenir. Ce renifleur de braguette vendrait père et mère pour un peu d'argent. Je te conseille de ne pas faire le mariole, Pépé. Merci d'être venu, Seigneur Carvalho. Madame. Le commissaire n'était pas si loin de la vérité, madame. J'ai utilisé votre argent pour une affaire personnelle. Les gens honnêtes me bouleversent toujours, Monsieur Carvalho. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir?
café, de l'alcool. Un peu de morphine. Je pense qu'un verre de vin blanc suffira. Merci. Votre mari n'est pas là? Don Joachim est allé se recueillir sur la tombe de Mariano, comme chaque jour à la même heure, et j'avoue que je préfère ça. Pourquoi? Monsieur Carvalho, je vous fais confiance. Il y a des choses que je ne peux pas dire devant mon mari. Vous comprenez? Je me sens terriblement coupable. La dernière fois que j'ai vu Mariano, c'était là. Je l'ai laissé partir. Je n'ai pas compris. Je m'en vais, Mathilda. Pas trop loin, mon chéri. Ta fiancée et ses parents vont bientôt arriver. Tu sais, je reviendrai pas. Va te changer au lieu de dire des sottises. Ahmed a préparé ton costume dans ta chambre. Je t'aime, maman. Qu'est-ce qui se passe, Ahmed? Merci. C'était le jour de ses fiançailles. Je ne l'ai pas revu vivant. Le jour de ses fiançailles, votre fils a quitté la maison. Oui. Fiançailles arrangées par son père, comme tout le reste de sa vie. Une banale chambre de garçon, non? Oui. À Mariano pour sa réussite. Continue. Mon fils n'a pratiquement jamais touché une raquette de sa vie. Par contre, le marchand de trophées doit tout à mon mari. Mmh. C'est comme les femmes. Vous vous rendez compte que Don Joachim a payé une fille pour le déniaisage de son fils comme il avait acheté tous ses professeurs? Votre fils ne s'est jamais révolté? Vous êtes croyant, monsieur Carvalho? Très peu, chère madame, grâce à Dieu. On ne se révolte pas contre son créateur. On courbe les chines ou on s'enfuit. C'est ce qu'a tenté de faire Mariano. Et vous, madame? Moi? Oh. J'entends ça, Mariano! Je vois que vous avez pris votre décision. Monsieur Carvalho, venez. J'ai perdu mon fils, Carvalho. Je n'ai aucune envie que Mathilda bascule définitivement dans la folie. Je ne sais pas pourquoi, mais vous lui êtes nocif. Vous agissez sur elle comme une drogue. Qu'il a des règles. Autrement dit, vous me congédiez. Moi, je n'ai jamais été d'accord pour vous engager. Mais vous pouvez garder la caution, oui, Carvalho. Vous n'êtes pas mon employeur, Don Joachim. C'est votre femme qui m'a engagé. Par amour pour votre fils. À bientôt. T'as vu ça? 8000 pesetas. Alors toi aussi, tu t'y mets.
Mais c'est une petite merveille. C'est vraiment utile, tout quoi. Eh oui, il faut pas que je sois à la traîne. On va entrer dans le 21e siècle, Pépé. Fais pas rire. Le 20e n'est pas encore fini. T'as appris quelque chose? Chicho était un dealer et un macro, je le savais déjà. Mais ce que je savais pas, c'est qu'il avait été porte-flingue d'Archimédès pendant 2 ans environ. Archimédès? Mais c'est pas tout, Pépé. Cet enfoiré de Chicho, c'est l'un des nombreux indicateurs de ton vieil ami Contreras. Comme le monde est petit, hein? De la taille d'un confetti. Bromure. Et Tony? Je t'ai déjà dit qu'il y avait pas mal de coiffeurs de ce nom-là, mais je continue à chercher. Merci. Et l'ancêtre, à l'adresse de Chicho. Ouais. Je vais reconvertir dans le proxénétisme. Tu devrais. Tu as déjà la mentalité. Maintenant, il te reste plus qu'à trouver des filles. Souvenir de la rencontre qui a changé ma vie. Tony. Tony? Elle avait la taille fine, les hanches pleines. Elle chassait le mal aux alentours de la Madeleine. À sa manière de dire mon rat, est-ce que je te tente? C'est une chanson française, une vieille chanson. C'est un codétenu à moi qui chantait ça. Mais tu chantes bien. De voir Nani, ça m'a... Tu sais que tu me surprendras toujours, Biscuiteur. Biscuiteur. Oui. Comment on fait pour avoir accès au répertoire? Vous allez bien finir par vous y mettre, chef. Allez, va jeter un petit coup d'œil. Chef! Ça vous rappelle rien, chef? C'est la méthode de travail des tortionnaires franquistes. Si ce ne sont pas les tueurs d'Archimédès, c'est pas mal imité. Bonjour, vous êtes bien chez Mariano Pelletier? Pas moi, mais si vous me laissez un message, je vous rappellerai dès mon retour. Pas le faire? En vrai. Je t'avais prévenu, Pépé. Recel d'informations capitales pouvant entraver l'action de la police. C'est beaucoup trop cher pour ton petit budget, non? J'aurais jamais dû vous prévenir, commissaire. Je vais regretter mon civisme. Qu'est-ce que tu foutais chez Chicho Moreno? Bonne question. J'en ai une autre bien meilleure. Comment se fait-il qu'un truand en notoire comme Chicho Moreno est un casier judiciaire totalement vierge? Tu oublies un tout petit détail, mouche à merde. C'est toi qui as les menottes et c'est moi qui les clés. Pas pour longtemps, commissaire. Chicho Moreno était votre indicateur. Je suppose que vous comptiez sur lui pour alpaguer Archimédès. C'est raté. J'ai par contre une information de première main à vous offrir.
concernant Archimédès ? Indirectement, oui. En échange de ta liberté ? Je t'écoute. Les meurtres de Nanny, Ciccio Moreno et de Mariano Pelletier ont tous un lien commun. Tu te fous pas de ma gueule, j'espère. C'est la vérité, commissaire. Et quel est le rapport avec Archimédès ? Là, vous en demandez trop. Il faut bien justifier votre salaire de temps en temps, non ? Tu vas finir par me les casser, va-t'en. T'attends quoi, au juste ? L'autorisation officielle de réouverture du club. On verra ça quand j'aurai eu la preuve que tu te fous pas de ma gueule. Hein ? Ah, au fait, commissaire, est-ce que ça s'arrange, votre ulcère à l'estomac ? Volcan ! Biscuiter ! Qu'est-ce que c'est ? Carajillo de anis. Merci. Inutile de vous demander d'où vous sortez, chef, ça pue le formol à 10 mètres. Avoir des rapports privilégiés avec un médecin légiste, ça peut être très utile, Biscuiter. Jette un petit coup d'œil là-dessus. Vous pouvez me faire les sous-titres, chef, je comprends rien. C'est simple, brûlure de cigares, décharge électrique, anti-cutter, les méthodes habituelles des tortionnaires franquistes. Ça, c'est pas un scoop. Mais comment on l'a tué ? Une balle dans le cœur avec une arme russe. La même qui a servi à tuer Nanny. Et la même qui a tué Mariano Pelletier. Non, c'est là que ça se complique légèrement, tu vois. Mariano Pelletier a été tué par un amateur avec un revolver d'origine britannique. La trajectoire de la balle laisse perplexe. Comme si le tueur avait visé au hasard, tu comprends ? Une affaire passionnelle. D'après le médecin légiste, Mariano est mort par hasard. Vous êtes costaud, chef. Hein? Pourquoi ? Parce que moi, vous connaissez, je suis pas bégueule. Mais rien que l'idée de serrer la main à cette hyène de la forense, ça me liquéfie. Ah oui. Ben alors, va vite changer ta petite salopette. Parce qu'elle m'a demandé que je t'embrasse bien fort pour elle. Ah si, si, si. Je crois que t'as un ticket. Vous ne vous reposez jamais. Vous êtes mon cauchemar, monsieur Carvalho. Vous me payez pour ça. Je suis juste venu régler mes dettes, don Joachim. Je ne voulais pas vous déranger. Attendez. Votre fils me dette une double vie sous le nom de Tony. Savez-vous comment s'appelait la prostituée que vous lui avez offerte ? Non. Elle m'avait été conseillée par un de mes collaborateurs. Une jolie fille. Plutôt douce. Elle s'appelait Nanny. Mariano devait partir avec elle le jour de ses fiançailles. On l'a tuée hier soir. De Mariano. En quelque sorte, Mariano était fou d'elle. Elle était si différente de ce monde dans lequel vous désiriez l'enfermer. Elle était la clé pour pouvoir en sortir. Elle était sa force à lui. Mais Nanny avait un frère, un petit maquereau, qui travaillait pour la mafia. La mafia. Je savais, je me doutais d'une histoire de ce genre. Parce que jamais Mariano ne m'aurait tenu tête comme il l'a fait s'il n'avait pas été manipulé. Et où
vas-tu, Mariano? Je m'en vais. Descends immédiatement de cette voiture. Papa, écarte-toi, s'il te plaît. Mais tu ne comprends pas? Tu n'es rien sans moi. C'est ce que tu as toujours voulu me faire croire. Mais c'est terminé. Papa, je t'en prie, écarte-toi de la voiture. J'ai fait de toi un homme. Un responsable. Je n'accepterai jamais que tu gâches tout. Sur un coup de tête! Moi, je n'accepte pas ce que tu as fait de nous. Pauvre maman. Sa vie est foutue. Pour elle, c'est trop tard. Mais moi, je me laisserai pas faire, papa. J'en ai marre de supporter continuellement le poids de ton autorité maladive, tu entends? Je m'en vais, papa! Je regrette. Ne partez pas, je vous en prie. Quelles que soient nos divergences idéologiques. Moi, j'ai confiance en vous. Je vous estime. Et je veux que vous repreniez l'affaire. Je vous préviens, cette fois-ci, j'irai jusqu'au bout. Vous avez carte blanche, Carvalho. Don Joachim a été plus dur avec son fils qu'il ne l'a été avec les employés de la banque Pelletier. Mariano a commencé comme caissier et a gravi les échelons les uns après les autres. Enfin, de là à prétendre qu'il était passionné par son travail, ça c'est autre chose. Oui, je vois. Avez-vous eu un retrait d'argent d'une certaine importance peu de temps après le jour du drame? Après le drame, non. Mais le jour même de l'assassinat de Mariano, un client très important est venu me demander de vérifier l'état de son compte courant. Son compte était vide. Le plus surprenant est que mon client est reparti comme ça, sans dire un mot. Cet homme ne s'appelait-il pas Moreno? Chicho Moreno? Je regrette, mais vous comprendrez qu'il m'est difficile de vous répondre. Je ne vous demande pas de trahir le secret professionnel. En revanche, si vous me dites au revoir, je saurai que je me suis trompé. Alors, au plaisir, monsieur Carvalho. Merci. Le célèbre Pepe Carvalho, en chair et en os. Quel honneur. Enchanté de te rencontrer, Pepe. J'ai tellement entendu parler de toi. Navré de te déranger en pleine activité. Je souhaitais échanger quelques mots à bâton rompu. Avec plaisir. Seulement, avant, j'aimerais vraiment savoir qui va l'emporter. Dans cet éternel combat entre le bien et le mal. Ça dépend de toi. Dans le cas présent, tu es le seul maître à bord, après Dieu, bien sûr.
Justement, c'est assez déprimant. Tu veux bien prendre les blancs ? Je trouve que la pureté te va bien au teint. Je trouve qu'elle allait bien aussi à Nanny. Malheureusement, il y a quelques fils de pute qui ont décidé du contraire. J'aime ça. J'aime l'intelligence, Pépé. Je supporte assez mal la réverbération. Tu devrais renouveler tes cadres, Pépé. Le vieux bromure est de moins en moins discret. Je sais, mais c'est mon ami. Et c'est l'amitié qui te donne ce courage de débarquer chez moi pour m'accuser implicitement du meurtre de Nanny ? Tu veux qu'on joue à ce petit jeu-là ? Très bien. Avant de se tirer avec Nanny, Mariano Pelletier a essayé de vous entuber, Chicho et toi, en piquant votre argent. Tu me suis ? Comme les rois mages suivaient l'étoile du berger. Seulement Chicho s'en est rendu compte. Il a intercepté Tony dans sa fuite, il l'a tué. Il a récupéré l'argent, tu me suis toujours ? Mais cet imbécile de Chicho, au lieu de te rendre ce qui t'appartenait, a planqué le fric et décidé de faire le mort. Tu te rends compte ? Oser faire une chose pareille à Archimédès n'a pas intérêt à rigoler avec toi, n'est-ce pas ? C'est pour ça que tu as tué Nanny et que tu as torturé Chicho. Jusqu'à ce qu'ils disent où il avait planqué le fric. Bravo. Bravo, Pépé. Seulement, le problème, c'est que je n'ai pas récupéré mon argent. Et tu sais pourquoi ? Parce que Chicho ne savait pas où il était. Et crois-moi, c'était pas le genre à résister longtemps aux tracasseries de mes petits camarades de jeu. Personnel n'est plus ce qu'il était. Mais toi, tu es là, Pépé. Et tu es le meilleur privé de tout Barcelone. Entre nous, combien on te paie pour enquêter sur le meurtre de Tony ? 100 000 pesetas ? 200 000 ? Je t'en offre infiniment plus pour retrouver mon bien. Combien ? Regarde comme c'est beau, Pépé. La vie est un véritable cadeau que nous offre Dieu. À condition de la partager avec un être cher. Tiens. Je t'offre Charo. Contre mes 500 000 dollars. Ça vaut, non ? Tu habites toujours à Valvidrera ? Sors de là. Vous pouvez pas faire ça. Allez, dehors. Vous n'avez pas le droit. Dehors. Allez, grouille. Tire-toi. Plus loin que ça. Thank you.
Non, 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 non. Tu ne respectes pas nos accords. Tu oublies notre petit marché. Si jamais tu t'arrêtes, je fais sauter ta belle petite gueule. Idiote! Il y a une bagnole qui vient d'arriver, il faut se tirer maintenant. Allez, viens. Nanny était ma meilleure amie. Et toi, tu l'as tuée, espèce de salopard. Bouge pas. Charo. Charo, non, s'il te plaît. Charo. Je t'en supplie. Allez! T'aurais jamais dû toucher à Charo, salopard de merde. Travaillez. Allez. Dessus, il y a toutes tes empreintes digitales. Avec ça, t'as tué Chicho et Nanny. Va le dire à Archimédès. On va voir ce qu'il en pense. Allez! 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 Bon, on fait une bonne équipe, chef, non? Merci, Biscouteur. Tiens. J'en ai marre, j'en peux plus, Pépé. Je sais, Charo, je sais. Tu es mon talon d'Achille. Mais le problème, c'est qu'au-dessus, il y a tes jambes, ton ventre, tes seins, ta bouche, tes yeux. Je tiens trop à toi. Je peux pas te quitter. Je voudrais que tu m'emmènes loin d'ici, loin de cette vie affreuse, à l'autre bout du monde. T'en fais pas, Charo. Je t'y emmènerai. Tu es sûr? Je te le promets. Oui, on arrive. Où il est, ton chef? Je sais pas, moi, à cette heure-ci, de dormir. Vous avez un mandat? En béton, comme ton casier judiciaire, et c'est pas me dire. Tu m'as toujours pas répondu. Où il se trouve, Carvalho? Je sais pas. Chez lui. Eh ben, décroche. Et n'essaye pas de jouer au con, hein? Biscouteur. Je vous entends très mal, chef. Vous appelez du portable? Oui, du portable. J'ai pris un forfait de 3 heures pour que je rentabilise. T'as préparé quoi pour le petit-déj? Un omelette au chorizo. J'allais faire frire les œufs. Commence à faire chauffer l'huile. J'arrive, je suis à 10 minutes du bureau. À tout de suite, chef. T'es un bon garçon, toi. Tiens. Portable. Il a oublié d'être idiot, Biscouteur. Tu penses que c'était les flics au bureau à l'instant? J'espère bien, Charo.
Entre Contreras qui rêve de nous foutre en taule et Archimédès qui va lâcher ses pitbulls, ça va pas être de la tarte. Et bien alors, finalement, qu'est-ce que tu proposes? Toi, tu bouges pas de la maison. J'ai pas encore joué ma dernière carte. Soyez ravi. Après l'Afrique, je n'ai jamais pu me faire à cette humidité poisseuse de l'Europe. L'Europe dégage une odeur fétide. Une odeur de mort. Je vous ai interrompu. Je vous ai dit que votre fils était tombé amoureux d'une prostituée. Ah oui, une nanny, je me souviens. Mariano a voulu la sortir du trottoir. Mais ces choses-là ont un prix dans le monde de la mafia. Ce prix-là, il l'a payé au protecteur des nannies. En l'occurrence, son frère Chicho. Mon Dieu. Continue. À cette époque, Chicho voulait se faire bien voir de son chef. Un petit baron de la pègre, très vite intéressé par une alliance avec Mariano. Étant donné son poste à la banque, il lui était facile de blanchir l'argent de la mafia. Le jour de ses fiançailles, Mariano a vidé le compte de Chicho en retirant 500 000 dollars qu'il contenait pour s'en aller avec Nanny. Votre fils a voulu faire d'une pierre deux coups, échapper à votre tutelle tout en roulant la mafia. Mais la mafia n'a pas récupéré son argent. Vous me suivez, Don Joaquim? Elle n'a pas tué votre fils. Je savais que vous iriez jusqu'au bout, Carvalho. Vous en avez parlé à la police? Je ne suis que votre employé. Je crois qu'il vous appartient de prendre cette décision, Don Joaquim. Alors je vous en prie. Accordez-moi une dernière faveur. Je veux voir l'homme qui a détruit mon fils. Ne serait-ce que 5 minutes. C'est un homme dangereux. N'ai plus rien à perdre. 5 minutes, Carvalho. Et puis ensuite? Ensuite, j'aurai quelque chose à vous annoncer. Et là, alors, vous agirez en votre âme et conscience, comme toujours. Tu m'impressionnes, Furet. J'espère que tu as de bonnes raisons de venir chez moi. Une seule, mais elle est de taille. J'ai tes 500 000 dollars. Tu veux me faire croire que tu as 5 000 coupures de 100 dollars dans ta poche? Où est l'argent, Pépé? Si je te le dis, je suis un homme mort. Tu es mort. Passez vite. J'ai des armes qui vous ont servi à tuer Nanny et Chicho, et toutes vos empreintes digitales dessus dans un coffre à la banque. Qu'est-ce que tu cherches exactement, Pépé? Tu veux ton fric, oui ou non?
Si tu le veux, alors tu poses plus de questions. Tu viens tout seul et sans armes. Et pourquoi pas nu, avec des tongs et une petite plume dans le cul? Pour 500 000 dollars, Archimédès. Qu'est-ce qui me dit que c'est pas un piège, Pépé? Rien. Si ce n'est qu'aucun de nous deux n'y aurait intérêt. Ok. Si vous racontez ça à une seule personne, même sur des muettes, même enterré depuis longtemps, vous êtes mort. Désolé. Viens. Tu es prêt? On y va. Une dernière chose, les guignols. Si je m'aperçois que vous êtes derrière nous, je le ramène à la case départ et vous le regretterez. C'est compris? C'est la première fois que je monte à l'avant dans une bagnole de flic. Ah oui? Et alors, ça te rend heureux? Ça s'arrose. Vous êtes à bord d'une voiture volée à la police de Barcelone. Arrêtez-vous immédiatement et signalez votre position. Je répète, vous êtes à bord d'une voiture volée à la police de Barcelone. Arrêtez-vous immédiatement et signalez votre position. Allô, mon colonel. Nous sommes exactement à l'intersection de l'enfer et du purgatoire. Vous prenez la première à gauche et vous foncez toujours tout droit. Entendu ? Tu sais ce qui me ferait plaisir ? Ça serait que tu branches le gyrophare et que tu mettes la sirène. À ton âge. Bonjour Hakim, je vous présente Monsieur Archimédès. Où est l'argent? Là. Ne comptez pas. Fais confiance. Par contre, j'aimerais bien que vous m'expliquiez pourquoi on m'a fait venir jusqu'ici. Il vous fallait que je voie la face de l'homme qui avait détruit mon fils. À genoux! Pourquoi? Ne bougez pas. Écoutez, Pelletier, je vais vous faire un aveu. Quand Ciccio m'a présenté votre fils, j'ai trouvé ça louche. Je comprenais pas ce qu'un ange milliardaire venait renifler sur mon trottoir. Et un jour, il m'a parlé de vous longuement. Et là, j'ai compris. Et vous savez pourquoi? Parce que mon père était comme vous. Bonjour, Joachim. Moi, il cognait ma mère! Sauf qu'un jour, je suis devenu plus fort que lui et je l'ai tué. Je l'ai massacré. Et Tony aurait dû faire la même chose depuis longtemps. Joachim, laisse partir cet homme. Il n'est qu'une anecdote sur le trajet de notre enfant. Tu as tué Mariano
Tu as détruit ce que j'avais de plus cher au monde. Je voudrais que nous allions ensemble, tous les deux, jusqu'au bout du tunnel, quel qu'il soit. Vous venez de prononcer la sentence, madame. Au revoir. Merci pour la course. Moi, j'ai rempli mon contrat. J'espère que toi, tu respecteras le tien. Tu vas finir par me froisser. Tu me fais pas confiance, Pépé ? Non, alors là, pas du tout. Mais je vais quand même pouvoir t'aider. Tu te rappelles que les armes qui t'ont servi à tuer Nani et Chicho sont en sécurité dans un coffre à la banque? J'ai ajouté une petite note qu'on ouvrira si jamais Charo, Bromure, Biscouteur ou moi avions le malheur de mourir bêtement de mort violente. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Attends, ça veut dire que je vais être obligé de te protéger à vie? Excuse-moi. Je dois ramener la voiture à son propriétaire. Prends soin de ton argent. Regarde ce que m'a apporté ton secrétaire pour pouvoir te libérer. Mais là, tu vois, j'ai besoin qu'on précise des choses. C'est pas tout de me donner une caution. Monsieur Biscouter doit m'expliquer très clairement d'où vient l'argent. Parce qu'autrement, je ne pourrais pas accepter les fonds et je te mettrai en tôle pendant un bon bout de temps, vu tous les délits et les crimes qu'on te reproche. Ah oui. À savoir ? À savoir ? Attaque d'un officier de police dans l'exercice de ses fonctions avec vol d'un véhicule de service, plus détention abusive d'informations ayant entravé l'action de la police. Excusez-moi, monsieur le commissaire. Ce matin, au courrier, j'ai reçu une grande enveloppe. Dedans, il y avait de l'argent. Et puis cette lettre. C'est la confession de Don Joachim Pelletier. Il reconnaît avoir assassiné son fils par désespoir. D'autre part, il déclare porter la responsabilité de tout acte illicite commis dans l'enquête par votre serviteur. Donne-moi cette lettre, Carvalho. Il y a une condition d'abord. Je veux l'avis de réouverture du tatouage. Je te conseille de ne pas faire le mariole, parce que je peux ajouter à ta liste outrage à un officier de police. Moi, j'ai rempli ma mission. À vous maintenant de tenir votre promesse, commissaire. Sinon quoi ? La lettre. Je l'avale. Et vous ne pourrez rien contre Don Joachim Pelletier qui, à mon avis, doit déjà se trouver bien loin. Tarquino ! Libère-moi ce renifleur de braguette. Et fais signer les formulaires pour la réouverture du tatouage. Grouille-toi, j'ai pas que ça à faire, moi ! C'est plus gentil comme ça, non? On y va. Qu'est-ce qui se passe, Bromure? Tu t'es dénoncé comme contrebandier pour toucher la prime? Faut pas déconner avec ces trucs-là, Pupigno. Il s'agit d'un de mes amis. Il a besoin de toi.
Il s'est foutu dans le pétrin. Le problème, c'est qu'il est sans arme. Ton ami, dis-lui qu'il vienne me voir. Je trouverai bien une solution. T'es l'ange du bon Dieu, Pépignot. Un vrai ange tombé du ciel. C'est fini, ton sire. T'as pas lu les journaux par hasard ce matin? Non, pourquoi? Les Pelletier, ils ont eu un accident. Leur Mercedes s'est écrasée contre un arbre. On les a retrouvés morts tous les deux. Tous les trois, Bromure. Il est mort aussi, le pauvre Ahmed. Qui? Un vieux domestique arabe. Un type bien. Fidèle jusqu'à la mort. Abdullah. Abdullah. C'est sur ma note. Dis donc, tu n'ouvres pas ta boutique?